Là, on a des larves et des très jeunes larves. On a du couvain fermé et puis des œufs. Hein. Et puis on peut voir aussi ici le premier couvain de mâle. Des jeunes larves, du couvain fermé, et puis on voit du couvain naissant ici. Et là, un troisième cadre de couvain avec la reine qui est là. Donc tout ça c'est pondu avec du très jeune couvain. Donc on peut voir qu'il y a déjà du nectar qui rentre. Donc ça c'est très bien. La visite aujourd'hui est très très rapide. Ici au rucher, il fait 15-16 degrés. C'est nuageux avec un peu de soleil. Donc on visite très rapidement et on regarde si on peut rajouter des cadres de miel. Donc là, ici, j'ai retiré un cadre qui était un peu vieux avec très peu de miel à l'intérieur. Donc j'en profite pour le retirer et mettre des réserves à la place. Alors, il ne s'agit pas de remplacer tous les cadres qui seraient vides de miel par des cadres de miel parce que vous allez prendre la place de ces cadres dont la reine a besoin pour pondre. Vous voyez, on met un bon cadre plein de miel et de pollen. J'ai 4-5 kilos. Je suis tranquille pour aller jusqu'en avril. En sachant qu'en ce moment, elle récolte déjà. Voilà, vous avez vu, c'est une visite relativement rapide que celle qu'on fait actuellement. On va dire que la ruche reste ouverte entre 3 et 5 minutes maximum. Ce n'est pas encore le moment de gratter les cadres. Ce n'est pas le moment non plus de faire le changement de 3 cadres pour remplacer les cadres d'il y a 2 ou 3 ans. Hein. On peut remplacer un cadre qui est totalement vide de miel pour en mettre un qui est rempli de miel, si on en a un de côté. Ça peut être bien si par exemple le temps venait de nouveau à se refroidir et que pendant 10-15 jours, elle n'avait plus accès aux ressources. Dans ce cas-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un cadre de miel en réserve. Mais attention à ne pas remplir toute votre ruche avec des cadres de miel pour que la reine ait de la place pour pondre. Ça, c'est très important. Là, dans cette ruchette, nous avons 3 cadres de couvain avec déjà du cadre du couvain naissant, ce qui fait que les abeilles commencent à naître et puis la colonie à se renouveler. D'ici un mois, la ruchette sera complètement pleine d'abeilles. On peut même déjà commencer, à partir du moment où il va y avoir les premiers mâles qui vont voler, on va déjà pouvoir commencer à séparer et à diviser nos colonies. Voilà. Donc là, on peut voir que c'est une colonie qui est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres d'abeilles. Elle avait été placée sur 8 cadres pour hiverner. Là, on peut voir qu'elle est bien repartie.
hein, une colonie comme ça en cette période. Alors il y a fait un petit peu froid là pendant quelques semaines, hein. Mais là actuellement j'estime qu'en moyenne je dois avoir à peu près 3-4 de couvains dans toutes les ruches et ruchettes. On ne peut pas avoir plus dans la mesure où il y a fait froid et qu'elle ne pouvait pas sortir. Là elle recommence à sortir depuis quelques jours et ça rentre beaucoup beaucoup de pollen. Voyons ce que ça a donné. Attention, comme pour la ruche précédente, il n'est pas question de gratter dans la ruche, de faire des travaux importants. Par contre, quand vous avez un cadre comme ça, qui non seulement est vieux, moisi et complètement vide, il est clair que là, on va le remplacer par un cadre de réserve. Je ne vous ai pas montré, mais dans le nourrisseur, j'avais mis du candy parce que j'avais un doute sur le poids de cette ruche. Et effectivement, quand je vois ça, bon, ben, je vois qu'elles n'ont plus de réserve. Et le candy, elle le dévore. Parce que à l'extérieur, les ressources ne sont pas encore suffisantes. Et surtout, elles ne sont pas encore suffisamment régulières et assez longues pour que la colonie puisse subvenir à ses besoins. Là, les abeilles sont quand même nombreuses et il y a déjà du couvain. Donc là, c'est pareil, c'est un cadre sec, hein. Il y a du vieux miel ici qui est cristallisé, mais il n'y a pas grand chose. Là, on voit qu'elle ramène bien du pollen. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. J'ai mis les gants parce que les cadres sont très collants avec la propolis, mais les colonies sont vraiment calmes. Là, il fait bien doux et elles sont parties récolter. On se dépêche, hein. On doit faire 5 minutes hein, pour la visite, pas plus. Alors là, on a du couvain. Alors, j'ai du couvain fermé et beaucoup de couvain naissant. Ça a déjà été repondu et il y a déjà du couvain ouvert, des œufs. Donc là, on est au premier. Mais tout est sec, hein. Il y a besoin vraiment de remettre du miel. Enfin, si on en a, hein, si on n'en a pas. Candy, éventuellement protéines. Donc là c'est pareil, j'ai un beau couvain pour la saison en ruche et après le froid qu'on a eu c'est très bien. Donc là j'ai ma reine qui est ici, voilà, le couvain est déjà de très bonne qualité, bien serré, il y a des œufs un peu partout. Donc là on est à deux cadres de couvain. Trois cadres de couvain, recto verso. Et là ici, j'ai plus de couvain, j'ai du pollen. Donc vous voyez, je vous l'avais dit, la moyenne c'est 3-4 de couvain actuellement. Ce qui est bien, mais on va passer bientôt à 4 voire 5. Celle-ci est capable d'avoir 4 de couvain sans problème. Alors je regarde un peu plus loin si j'ai des réserves. Donc là j'ai encore un peu de miel et un peu de nectar. Et ici j'ai un vieux cadre qui est presque sec. Donc je vais l'enlever aussi. En plus il n'y a pas d'abeilles dessus. Je vais tout de suite chercher des cadres de miel. Ici on a du miel cristallisé et puis du miel qui n'est pas cristallisé. Donc elles vont s'en régaler, ça va être rapide. Les autres cadres, je prends soin de bien les mettre exactement comme ils étaient. Attention, on n'est pas du tout encore en période où on peut faire ce qu'on veut dans les ruches. Ça doit être rapide et efficace. On regarde si on a du couvain. On cherche la reine pour savoir s'il y en a encore une. S'il n'y en a pas, bien sûr, ben on sera obligé de la remplacer. Enfin, d'en remettre une. S'il n'y a pas de couvain, pas d'œuf, on sait qu'on doit remplacer la reine. Donc là, cette visite-là, c'est pas une visite de printemps. Elle sert juste à savoir s'il y a des choses importantes à faire avant le lancement de la saison. Thank you.
imperturbable. Les abeilles continuent à manger le candi. Donc on comprend pourquoi elles mangent le candi, hein, puisque à l'intérieur il y avait presque plus de miel. Voilà, une colonie de terminée. Autre exemple de ruchette d'élevage. Hein. Alors c'est vrai que quand on voit une ruchette d'élevage qui est pleine comme ça, ça fait plaisir. Donc là pareil, visite rapide pour vérifier s'il y a une reine. Mais a priori, vu le nombre d'abeilles, il y a des chances. Bon, ça arrive que la ruche soit forte et que la reine soit morte. Ça m'est déjà arrivé. Donc petite vérification rapide. Et je ne résiste pas à l'idée de vous filmer cette éleveuse. Donc c'est une quadronuque avec une F0. Voilà, vous voyez qu'elle est la mi-mars quasiment pleine, ce qui est très très bien. Avec un bon signe de dynamisme de la part de notre chère reine qui devrait produire cette année quelques beaux spécimens, nous l'espérons. Donc la quadronuque, moi, elle me sert dans un premier temps au mois d'avril à faire quelques F1 supplémentaires et puis ensuite à faire des greffages. Mais déjà dans un premier temps, en fait, ce que je fais dans un premier temps, c'est simplement de diviser pour voir ce que ça donne en F1 avec des mâles qui ne sont pas sélectionnés. Ils serviront éventuellement de ruches de production, ils serviront pas d'élevage bien sûr. Hein. Les F1 que j'obtiendrai ici ne serviront pas pour continuer l'élevage. Et puis ensuite, à partir du mois de mai, on fait du greffage. Voilà.